Voilà, bienvenue dans la deuxième partie. Alors on attaque tout de suite avec des zombies qui veulent défoncer. Allume vite le truc là si tu peux. Voilà. Voilà, tu combines. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette connasse? Mais quoi? C'est quoi ce délire à pluie? Ah voilà, c'est bon. Aïe, ah, on recule. Et tu les dégommes au bidon. Avec le bidon d'essence juste à droite là, t'attends qu'il soit une bonne. Voilà, c'est bon, je pense. Tu peux faire un beau strike. Bah, c'est parfait. Lui, tu calcules même pas, je pense. Tu crames la corde. Voilà. Et là, normalement, on doit pas être très loin du commissariat. Écoute, je vais prendre le relais. Hein. Hop, putain, je suis un peu loin, je m'en bats les couilles. Ah, je crois qu'il y a des chiens. On va éviter de faire trop les cons. Par contre, s'il y a des chiens, on va vite leur régler leur compte. Je sais qu'il y en a un qui saute. Hé, hey, elle esquive! Oh! Des vraies plaies, ces putains de chiens dans les Resident Evil. C'est là ou là? On sait pas de toute façon. On sait pas, putain. Quand tu reprends la Resident Evil, c'est vraiment pas. Ah, d'accord, ok. Je pense qu'en fait il y a des musiques pas loin, parce que s'il y a un coffre là, c'est pour prendre. C'est pour prendre les soins, tous les bordels, mais tout on en a pas pris parce qu'on compte pas affronter le Némésis. Parce que même quand vous tuez le Némésis, hein, c'est comme le tyran, vous récupérez des bonus sur lui après. C'est pas là je pense. Ok, donc c'est pas par là. J'aime bien des fois dans les attributs, c'est marqué c'est fermé par un verrou, on a des flingues mais on peut pas dégommer le verrou. Je crois qu'on arrive au commissariat, là, ça me dit quelque chose, ouais, exactement. Et ben en fait, on aurait pu avoir les attributs tout à l'heure, le Nemesis on aurait pu l'avoir et finalement on va l'avoir en tout début de la deuxième partie. Voilà, Raccoon Police Département, on est de retour au commissariat. Très mal en point. Et voilà les Némésis. Voilà, donc là, Stars, c'est tout ce qu'il sait dire parce qu'en fait il vous recherche. Sur Brad, il y a une carte à récupérer qui contient un code secret, donc récupérez-la quand même avant d'entrer. Par contre, bah, je vais mettre attaquer le monstre, mais je vais quand même rentrer dans le commissariat. Parce que là, oh putain, il court son cul. Voilà. Il y a un truc sur Brad. Voilà, ça, récupérez-le parce que ça contient un code secret. Par contre, j'espère, vu que j'ai mis. Oh putain, je vais m'attraper. Oh là, c'est là, faut pas qu'il me choque par terre parce qu'il peut vite me. Ouf. Où est la porte? Ah, mais merde, je suis un connard là, je suis sorti! Putain, il m'énerve ce jeu là, on n'arrive pas à le reprendre correctement. Bon, on va rentrer, je crois qu'il est encore là du coup. Et là, on va vraiment aller dans le commissariat. Oh, gros bon, connard! Putain, on va vite rentrer par contre. Voilà. Oh putain. Je comprends pas, l'entrée du 2 n'est pas du tout comme ça. Je me suis chié dessus là. Pourquoi il n'y a pas la musique originale? Voilà, donc vous voyez les portes sont barricadées. Alors
qui a eu le temps de barricader les portes. Je ne sais pas, parce que quand vous êtes avec Lyon et Claire, eh ben, ça y est pas encore. Donc, moi j'ai lu quelques trucs concernant ça. Apparemment, il resterait quelques survivants à l'intérieur. On n'était pas au courant avec Lyon et Claire. Apparemment, il restait certains flics, des trucs comme ça. Bon. Voilà, après, c'est une hypothèse. Mais écoutez, normalement, il y a la musique avec le piano. Mais je pense que c'est que quand vous avez buté le Nemesis. Donc voilà, toutes les portes sont bloquées au sous-sol, j'ai l'impression. Voilà. Il est mort, Brad. Ouais. Non, non, non. Laisse Brad tranquille, il est mort. À gauche, à gauche. Alors, on va prendre des balles. La porte avant. Non, mais déjà, il y a un truc à faire ici. Voilà, tu vois, la carte Stars. Ah bah c'est pas celle-là, mais... Ah oui, il faut que j'aille la récupérer dans le bureau des Stars. Ok, donc on va voir aller dans le bureau. Hop là. Donc en fait, c'est quoi exactement qui saute à la fin du 2 quand vous partez en train? Parce qu'on voit une explosion, mais du coup c'est pas... Je pensais que tu faisais sauter tout le Comico et tout, mais finalement... Hein, je suis un peu un connard, là. Parce que le fusil, on va peut-être le garder. Et t'as vu le Nemesis, hein, il fait vite des dégâts. Là c'est les mêmes musiques, hein, vous pouvez le constater, ça fait plaisir. Et là on se dit merde putain, on a acheté le 3, en fait on va jouer au 2. C'était dans le commissariat, il y a les mêmes musiques. Là, c'est vraiment pour vous montrer 2-3 trucs. Hein. On n'est pas. Je pense qu'on va se mettre à fond sérieusement quand le frérot il viendra dormir à la maison. Et on le finira, je pense, on essaiera de le finir en une soirée. Et là, c'est vrai que c'est que. C'est vraiment une vidéo pour vous refaire découvrir le jeu, quoi. Donc là, il y a une petite cinématique par contre pour les escaliers. Pour rappeler le 2. Pour rappeler le 2, bien évidemment. Là, il y a des zombies, alors qu'il n'y en a pas normalement dans le 2. Oh, l'enculé m'a chopé. Je me demande s'ils ne font pas me faire chier au retour. Non, mais alors là, je suis un connard. On va vite aller dans le bureau des Stars. Est-ce que cette porte-là est toujours fermée? Parce que dans le 2, il y a cette porte, mais qui ne sert strictement à rien. On dirait que c'est lui qui... Alors, on n'a jamais su qu'il y avait dans cette porte. Donc, les joyaux ne sont plus là, même les statues d'ailleurs. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est passé après nous dans le 2 et qui a tout déménagé, il a ramené des trucs chez lui. Il a barricadé les portes, il s'est fait un kiff. Je sais pas qui est passé. Oh, bah je sais pas où aller moi, la clé des Stars, putain de merde. Elle est où la clé des Stars? Ah d'accord, là aussi c'est barricadé quand même. Ah, je crois savoir où aller. On va faire un petit détour hein, de toute façon. Tu crois qu'elle est là? Moi j'aurais dit dans la salle de sauvegarde juste en bas, où je m'en souviens plus trop. Hein. Pour eux. Ouais, de toute façon ils vont nous faire chier quoi qu'il arrive, donc on va les flinguer. Et comme nous les esquives c'est pas notre fort, à part sur les chiens de tout à l'heure, j'avoue, je me suis. Non, on soit pas obligé de les niquer, mais on va le faire quand même. C'est vraiment, on reprend à peine le jeu, donc voilà, on va pas s'emmerder. Ah non, je veux que tu descends s'il te plaît, hop. Oula. Ça c'est l'escalier que tu descends quand t'es en fin de soirée. C'est la quand tu descends. Ouais. Alors je tenais à vous dire, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, le Nemesis il vous attaque ici après. Il rentre par cette porte, il pète cette porte, il vous attaque ici. Un bel enculé, oui, comme tu peux dire. C'est là. Je pense que c'est là. Je pense. Y'a pas un truc là qui clignote là ou c'est moi qui ai réussi? Non, c'est toi qui a réussi. Ah oh, putain, ah non, bah c'est qu'elle est peut-être pas ici la clé. Pas ici. Non,
Sarins pour fabriquer vos balles. Bah écoute, je sais pas où aller, je pense qu'on on va y retourner, mais de toute manière, on a montré ce qu'on voulait montrer, hein. De toute façon, c'était à redécouvrir le jeu et vous montrer surtout Nemesis. On vous a vraiment fait une deuxième partie pour que vous voyez le Nemesis et que bah, vous voyez aussi le Comico. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est là que je vais atterrir face à plein d'ennemis. Elle est pas dans un des trucs là? Dans un des tiroirs? Ah putain, j'avais le code, c'est quoi déjà? Je crois qu'elle est là-dedans la clé. Je sais pas ce que c'est. Ah, je sais plus c'est quoi le code. Bah, c'est vrai qu'on a vraiment pas réussi le jeu, quoi. On y a vraiment été en freestyle. Bah écoutez, on va retourner dans le hall et puis on va se dire au revoir, je pense. Parce que voilà, nous avons. On va voir le Comico. De quoi? La droite. Non, je pense pas. Ah, tiens, il y a le Renoir qu'on bute dans le 2. Ouais, c'est ce que je te disais. Les zombies l'ont massacré. On dirait qu'il sert quelque chose. Rapport de Marvin. Bon, on va finir là-dessus, hein. C'est marrant, parce que lui, c'est vrai qu'on le découvre dans le 2, on ne sait pas plus sur lui, mais là, on va voir, on vous a signalé un vol à la mairie pour l'aube. 2 des 12 gemmes qui en est vrai, ça c'est les gemmes rouges que tu chopes en haut, là. L'entrée principale a été dérobée, le manque d'effectifs ne me laisse guère d'autre choix que de suspendre les recherches sur cette affaire. Rapport d'autopsie d'un restaurant de 42 ans, qui possède les gemmes. Ouais, en fait, tu parles des diamants. Très bien, monsieur Marvin. Donc du coup, on le bute ici avec Léon, quoi. Léon, mon frère. Ok, Marvin, bah t'étais bien cool, Marvin. Lui, il est toujours en train de ramper, là, normalement, parce que t'as... Non, bah écoute. Je sais plus exactement où est la clé. De toute façon, il faudra vraiment s'y remettre un soir, ouais, sérieusement. Ouais. Très bon jeu. Moi, je pense que je vais bien remater toutes les vidéos de mon ami Love and Age pour bien me renseigner, bien mémoriser le jeu, et puis comme ça après on pourra vous montrer un peu tous les bonus, tout ça. Je sais qu'il est très bien le jeu, je l'ai revu un petit peu il y a longtemps, la fin, il y a d'autres personnes, vous rencontrez d'autres gens et tout, il y a beaucoup de choses pas mal. Ah bah là, on a la musique. Voilà, on l'avait pas tout à l'heure. Ça c'est beau, ça fait plaisir. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, je pense qu'on sera avec le Resident Evil 4. Sur le prochain, on verra bien ce qu'on fait. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bon week-end à tous et buvez pas trop ce soir parce qu'on est samedi. Salut!